5 degrés de différence entre... J'espère que c'est pas un mot d'adieu. J'essaye de me faire une idée d'où on est en fonction de la vitesse du temps écoulé et de la trajectoire. Et ? On doit être à 5 km de la côte d'Huntington. C'est une bonne nouvelle. On peut en déduire qu'ils feront pas sauter ce truc sur le ponton de Santa Monica. T'as eu ça ? Oui. Et les batteries ? Elles sont disposées sous la quille à cause du poids. Elles distribuent du courant dans tout le sous-marin. Si on les coupe, on réduit la puissance du vaisseau de combien ? 30% ? Ça les obligerait à remonter et à passer en alimentation diesel. On y va alors. On perd de la puissance. Qu'est-ce qui se passe ? Ils ont débranché certaines batteries. On peut réparer ? Ouais, il suffit de les rebrancher. Ils sont à l'intérieur, on peut pas y aller. On pourra s'ils sont morts. Couper le courant et l'arrivée d'air dans la cale avant. Je te parie tout ce que tu veux que c'est fait exprès. C'est bon, on peut avoir de la lumière en branchant ces ampoules sur nos batteries. Ouais. Mais ça aidera pas pour l'air. Il commence doucement à me fatiguer, ce... Vous vous croyez malin ? Mais c'est loin d'être le cas. On peut savoir qui vous êtes ? Je suis le capitaine. Je m'appelle Jabril. Et vous êtes des hommes morts. À quoi est-ce que vous jouez, Jabril ? Ce n'est pas un jeu. C'est le djihad. Nous allons anéantir la Jahiliya. Et nous allons restaurer la charia sur toute la planète. C'est quoi la Jahiliya ? Le temps des ténèbres, avant l'instauration du courant. Où est-ce qu'on va, Jabril ? Nous, nous irons au paradis. Et vous deux, en enfer. Ce sont des shahids. C'est-à-dire des martyrs. Si je comprends bien, on a affaire à une mission suicide. Ouais.